dans la mesure où elle est toujours quatrième au classement. Avec 40 points pour ce soir. Bel échange de balles, intervention de la défense. Attention, Sakafou, il lance une réparation. Et faute, dire à l'arbitre, c'est ce qu'on appelle du jeu dangereux. Jeu très très dangereux de la part de Bendilali. En voulant frapper le ballon avec une papinade. Et là, il prend son carton. Oui, c'est vrai, il a touché au visage, je pense que c'est Abdat. C'est mauvais ce genre de coup de... Ouh là là là. C'est méchant ce genre, vous savez, les fractures faciales, nasales, il ne faut peut-être pas l'espérer pour ce joueur, mais il a reçu la godasse en plein dans le mille. Et je peux vous dire que ça fait mal. C'est une véritable godasse. Pour un ancien défenseur axial que vous étiez, vous avez dû reçu des gamelles pareil. Oui, et je peux vous dire que Abdet, c'est un très très bon garçon. Qui a un bon gabarit, peut s'en sortir. Il est vrai que c'est un ancien défenseur du CRB. Tout à fait. Il reconnaît toujours son école, Ahmed Laribi. Ancien défenseur axial du Chebeb Blouizdad. On revoit, mais alors, ouh, que c'était. Quel sacré coup il a reçu à la face à Abdat. Qui va recevoir les soins nécessaires et qui risque certainement d'être évacué en dehors du terrain. Mais il faut espérer qu'il y ait plus de peur que de mal pour ce sympathique garçon qu'on vient de le souligner, Ahmed Laribi. Alors que le tableau d'affichage compte 81 minutes de jeu, il y aura certainement des minutes à récupérer sur tous ces arrêts de jeu. Mais au risque de nous répéter, un derby qui a baissé quelque peu d'intensité. Hein. Oui, il a baissé beaucoup, pas un peu. Là, j'avais pensé que cette équipe de l'USMAG allait beaucoup plus en deuxième.